Hello! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau kit. Alors, un kit, c'est quoi? C'est une collection chez Stampin' Up que je vous propose, moi, d'acquérir dans des quantités un petit peu plus petites, qui vous permet d'avoir un petit peu de tout à tarif un petit peu réduit. Beaucoup de petits, hein, dans cette phrase que je viens de faire. Chacun des kits que je vous propose, vous pouvez le retrouver dans les playlists, hein, il y en a une qui est dédiée au kit. Et donc, ils sont à chaque fois valables durant toute la durée de validité du catalogue. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis contente de vous proposer un kit à partir de la collection Balade Champêtre, qu'on retrouve dans le mini catalogue saisonnier Stampin' Up. Une collection avec des cœurs, des fleurs, du papier Vichy, ce que je trouve indémodable personnellement. Une collection que j'aime vraiment beaucoup, qui est associé ici notamment à un set de tampons et une perforatrice pour faire des cœurs, mais pas que. Et on a donc ici éventuellement un autre lot, cette fois-ci tampons et poinçons, qui sont toujours dans le thème de l'amour, des fleurs, des cœurs, de la Saint-Valentin. Voilà, donc on est parti. Petite présentation rapide. Avant ça, je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée à partir de cette collection. Donc cette carte, je m'en suis totalement inspirée d'une américaine, il me semble, dont j'ai vu la création sur Internet. Et j'aime beaucoup où on va utiliser hein, ici le papier à motif, le papier Vichy. Et ça, c'est aussi le papier à motif que j'ai découpé avec la perfo. Voilà. La vue d'ensemble, et je vais tout vous détailler tout de suite. On va commencer par le papier à motif. Vous allez avoir 6 feuilles à motif de la collection, donc Balade Champêtre. Ce sont 6 feuilles qui mesurent 30,5 par 30,5 cm et qui sont imprimées recto verso. Donc des cœurs, of course. Des fleurs. Celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. On a ici hein, à peu près la même feuille avec un fond blanc, pardon. Là, dans l'idée, on a beaucoup de motifs aussi, mais c'est des cœurs cette fois. Ici, on a nos fameux cœurs qui se découpent avec la perforatrice de la collection. La voilà, je l'attrape en même temps. Je vous montre. Donc, c'est maintenant le grand classique, hein. On va retrouver dans les produits coordonnés des perfos ou des découpes qui s'utilisent avec le papier à motif directement. Version vite fait, donc on n'a pas besoin de sortir les tampons. Et donc la dernière page ici avec des bicyclettes que je trouve très choupinette. Derrière, on a des motifs plutôt passe-partout. C'est plutôt du ton sur ton. Avec tantôt des rayures ici. Des cœurs. Hop, là, ça c'est très très beau. Ça là, elle est sympa aussi. Et là, on a des cœurs avec des petits points. Et là, des cœurs avec des XO. Donc, je vous propose 6 feuilles A4 blanc simple pour vos bases de cartes, comme à chaque fois. Vous aurez également 6 feuilles de couleur A4. Donc, en l'occurrence, 2 pétales roses, 2 béguins bleus et ici le rouge. C'est l'Incolor Sorbet Sucré. Voilà. Je vais vous mettre ensuite 12 feuilles du papier Vichy Champêtre. Alors, hop. Voilà. Donc, vous en avez recto verso, hein. Vous en avez deux de chacun des motifs, ce qui vous permet d'avoir les deux couleurs. Donc il y a pétale rose, pareil, sorbet sucré, béguin bleu et macaron à la menthe dans les couleurs du Vichy. Pas d'autre mystère, pas d'autre magie. Hop. Des jolis carreaux pour associer avec la collection. Ensuite, vous allez avoir ici les sequins autocollants pastel. Donc on les a béguin bleu, pareil, pétale rose, et là c'est plutôt du doré.
Vous allez en avoir hop, tout ça. Donc en fait, tout ça, ça fait 60. Je n'avais pas calculé. Donc ensuite, les rubans. Hop. On a ici le ruban qui est plutôt le, enfin qui est le plus large. Hein. C'est du ruban un peu jute avec une petite surpiqûre. Donc il mesure 1,3 cm de large. Et on a aussi ce ruban ici rouge. Donc lui, il est beaucoup plus fin, pardon. Il mesure 6,4 mm de largeur. Bon, voilà, ils sont surpiqués tous les deux. Et donc vous aurez 1,50 m de chacun des rubans. Ça vous fait 3 mètres en tout. C'est la quantité de rubans que je vous mets généralement dans les kits. Voilà. Ce kit, je vous le propose au prix de 21,50 € hors frais de port. Vous pouvez choisir le mode d'envoi, hein, Mondial Relay ou la poste. Et bien évidemment, vous pouvez ajouter ce que vous voulez à votre kit durant toute la période de la célébration. Vous savez que par tranche de 60 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir dans le catalogue. Bien évidemment, hein, c'est cumulable avec le kit. Hein. Si vous rajoutez, pour atteindre 60 € à votre commande hors frais de port, vous pourrez choisir un petit cadeau dans le catalogue. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on se retrouve pour confectionner une petite carte un petit peu similaire avec cette collection. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!